Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Acclamons très fort au Seigneur pour ceux qui ont reçu ODF. Parce que Delhi Kera Ouye. On a prié pour eux. Matigi Fenaya Chanto Oula. Et le Seigneur aussi s'est occupé d'eux. Tigerekanga Fojo et Matigite. À qui nous devrions acclamer le Seigneur. Donc, Bonyama Segi Matigima. Et lui être reconnaissant. Iko Amba ya Fojo Mina Fana. Comme la maman a dit aussi. Cette année, ceux qui n'ont pas réussi à cet examen, et que le Seigneur leur fasse réussir à la prochaine fois. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Vraiment, je veux féliciter la chorale. Oh. Oui. Quand on les critique. Et on doit les féliciter aussi. Oui, chorale Adona Kobeka effort Kassisa. Nous avons vu que vous fournissez des efforts. La chorale monte en puissance. Chorale Beka Yelani Sebaya Bay. Il ne faut plus régresser, mais il faut progresser. Le Seigneur est avec vous. Et il continuera accomplir de grandes choses dans vos mains que vous n'attendiez pas. Oui. Partout où on critique une personne, on doit le féliciter aussi. Sinon, nous sommes en train de le critiquer vraiment. Mais nous rendons grâce à Dieu, Dieu est en train de faire son travail. Pas seulement la chorale, vous tous. Nous remercions le Seigneur pour chacun d'entre vous. Tous ceux qui sont au milieu de nous pour faire le culte ensemble. Okay. Notre frère Élisée Sogoba est ici. Okay. Il peut nous chanter une petite chanson avant de rentrer dans le message. Vous pouvez lui donner le microphone pour un petit bout de temps. Voilà. Alléluia. Ok, mais au fond, tiens, au niveau, entre même nous on fait mille là, à niakli là. Programme na chou de do, ametanye kamati kitanu. Avant qu'ici va être joint, Yesu, amet aller des cinq grands bis sur madaina. Angisi ba Yesu amaraba, ande me ba Yesu kresa inuamaye. Angisi ba Yesu amaraba, ande me ba. Yesu nyawatamulo Angisi ba Yesu amaraba Ayeso matiwa Yesu ba Yesu kisa nyawate Angisi ba Yesu amaraba Adebe ba Yesu kisa nyawate Angisi ba Yesu amaraba Angisi ba Yesu amaraba Nehu adebe ba Yesu nyawatamulo Yesu amaraba, adebe ba Yesu kisa nyote.
Sankolo anindukukolo matigi Sisamba feka ilame matigi. Nous voulons t'écouter en présent Seigneur. Sokomada ina kontigia ta fembela jelenka. Ce matin prend autorité sur toute chose. Mais Yesu Krista choli weleka kene sania sisa. Nous invoquons le sang de Jésus pour sanctifier et que ce soit posé sur chaque chose comme un signe. Matigi yame feka ika kuma lame. Seigneur nous voulons écouter ta ambe parole. Ambe feka soroli ke kapo irola. Nous voulons recevoir de toi. Ambe feka itoko korota. Nous voulons connaître ton nom. Matigi yama yera labla ye. Seigneur nous nous livrons à toi. Ni un nimbe anokote jen. Tout esprit qui n'est pas conforme à ton règne, nous le lions avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que ton seul règne soit présent ici. Couvre toutes choses avec le Saint-Esprit. Aide-nous à vivre la parole de Dieu. Je me livre comme un sacrifice vivant. Aide-moi à te placer avant toutes choses. Pour annoncer seulement de toi. Au nom de Jésus-Christ, le Fils Amen. De Dieu. Amen. Maintenant, nous allons finir avec une grande acclamation pour Jésus. Et toute gloire et tout honneur en son seul nom. Ce matin, hein, si tu es présent, hein, c'est bien que tu aies un stylo pour prendre des notes. Je ne pense pas que si ton cerveau peut garder toutes les informations que tu vas recevoir ce matin. Voilà, à 7. Prends un stylo et note. Pour que tu puisses réviser après le culte. Parce que le Seigneur veut élever quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, la parole que nous allons recevoir et la parole que nous donne le Seigneur, voici. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu te multiplies. Dans ton prospérer, c'est Jidi de doa, Yiri wal de doa, dans Fara de Bouchawa, je ne sais pas. Prospérer. Anga keka Yiriwa. Ou bien ka Jidi. Ka Jidi. Voilà. Dieu veut que tu prospères. C'est sa volonté parfaite. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prospérer ici? Dieu dit qu'il veut que tu prospères. Tu veux prospérer? Dis à la personne à côté de toi, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il veut que tu prospères. De tous les aspects. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 3 Jean et Jean Kitabu Sabana, Yohana Kitabu Sabana, dans 3 Jean, verset Kelenga se flama. Et le verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez me lire ça en français?
l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Ne pas faire qu'à Jidi Fembela. Et sois en bonne santé. Ani ikeneman kato. Comme prospère l'état de ton âme. Iko itizukumbe iriwa chomina. Hallelujah. Hallelujah. Ala kaswa fleni eta fanfe. Voici le souhait de Dieu te concernant. Ani ala ba fe ka nyana mayani na fana. Et Dieu veut que tu vives dans ça aussi. Ni prospérité kuma fora. Quand on parle de prospérité aujourd'hui, église ou konona la. Dans les églises. Il y a beaucoup qui ont des oh, message de la prospérité. Il faut faire attention. C'est vraiment de la tricherie, ça. Ça prospérité, pauvreté. Si on ne vous parle pas de prospérité, est-ce que vous voulez qu'on vous parle de pauvreté? Qui veut qu'on prêche le message de la pauvreté ici? Je ne peux faire que la personne lève la main. Hein? Qui veut les messages de la pauvreté? Je ne veux Fantania ou Adjuli faire. Hein? Kitabu kono ala bajira anako ale sako dafale anga jidi kairiwa. Et dans la Bible, Dieu nous révèle, il nous montre que sa volonté parfaite c'est que nous prospérons. Asako dafale. Sa volonté parfaite. Ate unga iriwa ka jidi. Que ses enfants prospèrent et qu'ils se multiplient. Chokopela. À tout égard. Et prospérer dans l'esprit. Et prospérer physiquement dans le corps. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Amina. Amen. Et que cette prospérité soit ta manière de vivre, que ça n'arrête jamais au nom de Jésus. Et la prospérité de Dieu. C'est très très important. La Bible dit que la bénédiction de Dieu rend heureux, il n'y a pas de tristesse, de conséquences. Alléluia. Alléluia. Après la prospérité de Dieu. Prospérité, la prospérité, c'est pas seulement s'enrichir. Aïe. Non. Il y a beaucoup ils sont malheureux. Qui ont beaucoup d'argent, mais ou colibato don. Il y a beaucoup d'argent dans les comptes de certaines personnes, mais ils sont en prison. Ils n'ont pas de repos de l'âme. Ils n'ont pas de paix. Mais la prospérité de Dieu, non seulement, non seulement ça te procure tout ce dont tu as besoin, et c'est aussi la paix qui s'ensuit. Et le repos le suit. Et il est sans conséquence. Ça, c'est la prospérité de Dieu. Et aussi, ce n'est pas la prospérité que tu cherches que donnent les hommes ou Satan lui-même. Ça, c'est ce qui vient de Dieu. Et c'est aussi sa volonté parfaite. La Bible nous dit encore, le Seigneur dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Je vous demande, avez-vous jamais vu Dieu arrêter dans un marché ou dans une boutique pour acheter des tomates ou une moto? Vous l'avez jamais rencontré faire ça? Et pourtant, il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet or et cet argent? Hein? Vous ne savez pas ce qu'il fait avec? Hein? Il les donne aux voleurs. Les autres personnes, si toi tu ne fais pas partir, la richesse du père s'appartient à son enfant ou bien d'autres personnes. Si tu vois que c'est aller ailleurs, c'est qu'il y a un problème entre lui et ses enfants.
comme une vieille femme. Akwa tiente da koshima pasuku shimu jantwala. Elle a dit qu'elle ne donnera son héritage à aucune de ses postérités parce que personne ne s'est occupé d'elle. Ayada ka baradema. Elle l'a donné à son serviteur. Ulundo be no son. Plutôt qu'à la publicité au bord, il est très la ulumsundo. Elle est très riche. Une chienne très très riche. Oui. Kunga fait là au babulo. La des coiffeurs. Abeko. On le lave. Elle est très riche. Et femme bababolo. Parce que héritage donné dirama. Parce qu'il y a un héritage qu'elle a reçu. Tien donné dirama moko wara fe. Elle a reçu un héritage de la part de quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Ni auta don au kanga min tienta anakal famo ko wara ma au natanyi nufi. Si vous ignoriez celui dont vous devriez hériter, et ça va aller ailleurs chez quelqu'un d'autre. Le Seigneur dit que l'argent et l'or lui appartient. Ça appartient à qui? À Dieu. Ses enfants. Et c'est donné à ses enfants. C'est pour que Dieu veut que ses enfants prospèrent. Beaucoup diront, Jésus reviendra, est-ce que nous avons besoin de prospérité? La Bible dit que où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te prospérer aujourd'hui. Pour quelle raison tu dois prospérer? La Bible nous parle dans Genèse chapitre 2, verset 2. En introduction, nous sommes juste à l'introduction. Juste pour qu'il y ait fin de famille. Pour que tu puisses comprendre certaines Genèse choses. Anifla, Genèse chapitre 12. Verset 2. Dieu nous dit pourquoi il le fait prospérer. Pourquoi il nous bénit. Ako, il a dit. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Tout cela c'est pourquoi. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Toi tu prospéreras pour être une source de bénédiction. Dieu bénit une personne pour que tu sois source de bénédiction. Que ce soit la bénédiction spirituelle ou physique, Dieu te bénit pour que tu puisses être bénir les autres. Toi tu es un être humain et personne ne profite de toi. Ça veut dire que la bénédiction que Dieu a accordée dans ta vie, tu n'as pas encore compris. Et tu as reçu une bénédiction, le Seigneur t'a fait prospérer. Aucune personne sur la terre n'a pu rendre grâce à Dieu pour tes bénédictions. Fais attention, sinon il peut te retirer les bénédictions. Ce matin, nous allons voir sept principes concernant la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Imo kwenye feu na soro iboloka damena bila foite na imange tukone. Tu auras tous tes besoins accomplis, tu ne manqueras de rien. Fentria d'être les plus riches de l'église, ou bien d'être seulement les plus riches du monde. Être prospéré, ça ne veut pas dire qu'un église bela na folobatigi ou bien djien bela na folobatigi. David a dit, Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. N'étais-tu de ces fouilles-là? Ala bika mangu ube abito ika tanya ube chikorolala. Et Dieu va rentrer sous tous tes manques. Ani imo kwenye feu na ke ibolo wala seka baraka da matiki. Et tu auras tout ce dont tu as besoin pour rendre grâce à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amena do osena nye wolo vala sokomada ina. Ce matin nous allons voir ces sept étapes. Tanga kalanda amene. Pour commencer notre enseignement. Parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Enlève la mentalité malienne de ta tête et reçois la mentalité céleste. Alléluia. Alléluia. Même dans le ciel. Afflé. Voici. Hein? Peut-être vous n'allez pas comprendre. Si je vous dis quelque chose, c'est que autena famu. Ou bien tu ne vas même pas croire. Fantante ta sangolola.
le pauvre n'accédera pas au ciel. Avant de me frapper avec un caillou, attendez un tout petit peu. Voilà. Et les gens de Jésus ne lui ont pas donné le temps, mais vous donnez-moi un peu de temps. Alléluia. 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 C'est parce que valeur pila concevabilité fantaye fa bolo iye fa di abita katania fe sangolona. C'est parce que tu es valeureux pour le Père, tu es son enfant, il va t'amener au ciel. Oui. Et quand tu arrives au ciel, tu penses que le Père va te considérer comme n'importe qui ou bien une ordure. Si tu vas aller voir quand tu vas voir les lieux célestes, et tu vas voir que ici c'est pas les pauvres qui doivent vivre, mais les enfants, les fils qui doivent vivre. Ici c'est le lieu où doivent vivre les héritiers. Pour que tu sois parmi ses héritiers et ses enfants, crois en Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est en or. Les rues dans le ciel sont en or. Et vous voulez qu'on ne parle pas de prospérité? Cela veut dire de ne même pas parler d'un attribut de Dieu. Dieu est amour, ça c'est vrai. Une manière d'être de Dieu, c'est l'amour. Mais est-ce que ça s'arrête seulement là? Est-ce que Dieu n'est pas le riche des riches? Quand Jésus parle de lui-même, qu'est-ce qu'il dit le concernant? Quand il parle du royaume de son père, qu'est-ce qu'il dit? Quand il vous parle, quels sont les termes qu'il utilise? Les rois, les princes, des chefs. Regarde ces grandes expressions. Et l'église ne veut plus qu'on parle de ces choses. C'est vrai. Oui, tiens. Escroya chayara donatanaya la pifo kata ke mohoye alako devie kata. L'escroquerie est tellement imprégnée dans la foi que les gens ont dévié la vraie foi et sont rentrés dans autre chose. Mais et ça, ça a été une raison que beaucoup de personnes s'abstiennent d'être de la prospérité, parce que ça, c'est une manière d'être de Dieu. Beaucoup disent l'argent n'est pas bon, mais la Bible dit que l'argent est mauvais. Est-ce que tu peux jurer ou c'est écrit dans la Bible que l'argent est mauvais? Non, les riches, faites attention. L'amour de l'argent est quoi? L'amour de l'argent. Wari kanuya, wari nege. Et non, l'argent. Ani wari yere kote. Est-ce que le flèche chez Jiminkani? Est-ce que atuna sangolo la kajige église kono? La chaise sur laquelle tu es assis, est-ce que c'est tombé du ciel pour se trouver dans l'église? Nous allons voir les sept principes pour que la bénédiction de Dieu éclate, se multiplie dans la vie de quelqu'un. Et que Dieu te bénisse et te fasse prospérer. Nous allons voir un. Amena et follower. Follow. Il faut de la révérence pour Dieu. Ka imajinka ala bato. Oui. De ce qu'on a. Révérer Dieu. Ka ala bonya ere. Connaître Dieu comme Dieu et que tu aies un cœur révérent envers Dieu. Voici. Il y a beaucoup de personnes. Dieu les a élevés spirituellement avec des onctions et avec de la richesse. Mais quand ils ont commencé à n'avoir plus de révérence dans leur cœur pour Dieu, Dieu les a laissés, ils sont tombés. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de regarder ton
ton cœur et mon cœur aujourd'hui. Que, quelle est la révérence qui prospère dans ces cœurs? C'est la question. Aujourd'hui, Ibai, tu vas voir. C'est-à-dire, l'orgueil a multiplié dans la vie des gens plus que la révérence pour Dieu. Satan est comme ça. Satan était élevé. Spirituellement, il était très élevé. Il avait une très bonne place. Et il avait prospéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté dans la révérence pour Dieu? Est-ce que son cœur a gardé la révérence pour Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé à son cœur? Au lieu d'être riche, au lieu de prospérer encore, à Kera Chogodi, au lieu de prospérer plus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a chuté jusqu'au fond. Genèse Kitabula. Dans le livre de Genèse, Genèse sur Tani Shegin, chapitre 18. Amen. Il a eu de la révérence pour Dieu et ani ala dubara aye. Et aye ala bonya kosa mais après Dieu l'a béni. Peut-être après ça qu'Ibrahim Ibrahima ka fenti ya sundoy. Peut-être ça c'est une source de la prospérité de la richesse d'Abraham. Verset quel est? Verset 1. Ko matiki ijira Ibrahim ala ka to ma semsun jire kro. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Asiglin tumba ka fini sudala kle ganfe. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Aya nya kro ta ka flelike. Il leva les yeux et regarda. Che saba jolen fle akunklenana. Et voici trois hommes étaient derrière. Ayu yemike. Quand il les vit. Abola ka bwa ka sudala. Il courut devant eux. Kata ukumbe. Depuis l'entrée de sa tente. Aya nya britukuma. Il se prosterna à terre. Ibrahima. Ibn Abraham. Al-Kasro, Allah Ibrahim Korota. Bien que Dieu a élevé Abraham, Ibrahim Jidili Damine. Il a commencé à faire prospérer Ibrahim Abraham. Abraham connaissait une chose. Allah est Allah dit, Dieu est Dieu. N'est-ce kuna. Moi je ne suis pas au-dessus de lui. Kuna. C'est lui qui est au-dessus de moi. Kankabunya. C'est moi qui dois Nidekanka le révérer. Et je dois me prosterner devant lui. Et cet état de cœur a permis à Abraham d'être prospéré et de se maintenir dans la prospérité. Il n'est pas tombé. Du jour au lendemain, Dieu peut te prendre et te faire de toi un grand riche. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais combien de personnes vont perdurer dans cet état? Dieu peut te poser toutes les onctions de ce monde. Et il va te donner des dons pour accomplir toutes sortes de miracles. Mais combien pourront le garder? Et le recevoir n'est pas un problème. Mais pour le garder, c'est ça le problème. Comme, quelles sont les personnes qui peuvent garder? Et que Dieu les prospère encore plus. C'est des gens comme Abraham. Oui, Abraham Mugosifo. Mounouté ala bunyali dablau dusukuna. Qui n'arrête pas de révérer Dieu dans leur cœur. Fentriyate ala tunumromunona. Et ceux qui ne perdent pas de Dieu vu à cause de leur de sa bénédiction. Mounouté lente nanfolo ke ala yewala kawiyere ke ala yemeube ala kaplasida. Ceux qui sont bénis, ils vont pas faire la richesse en Dieu. Ils connaissent Dieu, Dieu et ils les accordent sa place. Un homme élevé comme ça, flekata i voici, il allait se prosterner à terre devant Dieu. Le verset 2 et plutôt le verset 3. Verset sabbat. Il dit Matigi, Seigneur, ni ne koka die, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, ne passe point loin de ton serviteur. Regarde comment il s'appelle. Afflé Abayer Welechomina. Ika Jonge. Ton serviteur. Bi. Aujourd'hui. Il suffit que Alaka Anjidi Anga Namarakele Namarafla Tamadro Al Namepumala Famafo Ala Ika Kiraba. Si Dieu nous fait prospérer, qu'on fasse marcher un ou deux paralytiques, quand on parle avec Dieu, on va dire Seigneur, ton grand prophète. Le verset 4. Verset Nani. Jidonimbea. Après, permettez qu'on apporte un peu d'eau. Pour que vous lavez les pieds et reposez vos pieds. J'irai prendre un morceau de pain.
pour vous fortifier votre cœur. Voici comment les actes que Abraham a posés. Il alla promptement dans sa tente vers Sarah, lui dit, vite prépare verset de la farine. Le verset 5. Et Abraham bolakata akam mishikulu la kam mishide nyuman klolemene mishide fasalente akloling. Courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Alléluia. Alléluia. Tellement que bonyali kumbe Abraham duzukuna kanyeshi alama. Tellement que Abraham avait la révérence dans son cœur vers Dieu. Akafem bela nyuman na kumbe kuma na kumbe fendo di alama na kumbe alabuya kuma kena akafem bela nyuman. Quand il honorait Dieu, il le faisait avec tous les meilleur de sa possession. Oui, il donnait le meilleur de lui-même, le meilleur de sa possession. Abe ayere bela fenyu ayere la nyuma ana bolo fena nyuma be de di alama. Avec nyala la taille. Et tout cela appartenait parce à Dieu. Parce que Dieu est à la place en fait. Parce que son cœur avait révéré Dieu. Bi. Aujourd'hui. Anga munyuma mebla ala e parce que abunyali bande sukuna. Quels sont nos biens? Qui sont bien qu'on réserve pour Dieu si nous avons une vie, que ce soit spirituellement ou physiquement, et quand nous sommes en train d'être élevés, on parle bien de nous, nous prenons cette partie et nous les gardons pour nous comme Satan. Quand on est en train de le célébrer, qu'il travaillait bien, au lieu qu'il rende gloire à Dieu, et il a tout collé à lui-même. Ah, ce qui ne t'appartient pas. Abraham n'a pas agi ainsi. Un veau tendre et bon, il l'a pris et l'a mené. Et il l'a préparé. Et il a servi ces personnes-là. Le Seigneur était parmi eux. Verset 90. Le verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah? Et il leur répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, sans doute, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Voici, Dieu commence à faire prospérer Abraham avec un fils. C'est pourquoi quand je te dis, je parle de prospérer, c'est pas seulement la richesse. Cela trouve que Dieu avait déjà béni Abraham dans la richesse. Abraham, mais Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham avait besoin d'un fils. Pour qu'il monte dans un autre état. Il a résolu et de révéler Dieu, de faire de Dieu un roi, de placer Dieu au-dessus de toute chose. Bien qu'il est élevé, Dieu dit Abraham, tu es prospère dans la richesse, mais tu vas encore prospérer. Ta femme Sarah, elle enfantera un fils et ce sera appelé Isaac. Voici comment Isaac est né. Voici, bien qu'Abraham avait reçu la promesse, Abraham pouvait laisser passer ces hommes-là. Et quand il a su que c'était le Seigneur, il pouvait les laisser partir. Il pouvait refuser de les accueillir. Il pouvait refuser d'égorger son veau bon et fin. Mais Abraham connaît la valeur de Dieu. Il sait que ce que Dieu est digne. Il sait qui lui il est et qui est Dieu. Voici aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous sommes devenus égaux à Dieu. Comment Dieu va se fatiguer pour te faire prospérer? Et pour que vous soyez des camarades. Église des rivales. Dans les églises aujourd'hui, il y a combien de Jésus c'est là-bas? À se demander. Au milieu des champs, il y a combien de Jésus là-bas? C'est une question aujourd'hui. Dans les familles, combien de Jésus est là-bas? Est-ce que la femme est Jésus? Ou c'est l'homme qui s'est fait Jésus? C'est moi le grand, toi tu es petit. C'est une question aujourd'hui. C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Oui. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu veut te faire rentrer à un autre niveau de prospérité. Mais Dieu va regarder aussi ton cœur.
Dans ton cœur, tu as révérence pour qui? Point d'interrogation. Il va dans Norobe Mogola Fleni ma femme. Tu sais que la gloire peut séduire quelqu'un si tu n'as pas compris. Regarde combien de grandes personnalités sont tombées. Regarde leur commencement. Regarde le commencement de la vie de beaucoup de rois et de présidents ou de dirigeants. Regarde comment ils sont tombés. Il y a certains qui ont commencé fouille-tout-tout-tout. Ils n'avaient rien du tout. Mais Dieu est venu avec sa miséricorde et il les a fait prospérer. Il leur a donné une renommée. Il les a élevés. Quand ils sont élevés, ils sont devenus quelle sorte de personnes à présent? Quelle sorte de personnes? Des personnes qui savaient d'où ils venaient. Ceux qui connaissaient Dieu comme Dieu et eux des créatures. Leur fin a été comment? Vous entendez les informations, les nouvelles pour beaucoup. Tout cela c'est pour t'avertir, te prévenir toi et moi. Pour que tu t'accordes avec Dieu la prospérité qu'il t'accorde et que tu puisses maintenir, tu dois connaître Dieu qui est Dieu et que tu saches que toi tu es un homme et que tu te saches comme créature. C'est le plus important. Pour que tu puisses garder ton onction, il ne faut jamais oublier cela. Pour regarder tes pieds, il ne faut jamais oublier ça. Nous allons voir après. Dieu va faire prospérer certaines personnes. Et quand ils sont bénis, leur parole change. Il y a la parole de beaucoup de chefs de famille qui ont changé. Les paroles de beaucoup de riches ont changé. Et quand tu les vois parler, c'est comme si eux-mêmes ils ont créé l'argent. Il y a beaucoup de connaisseurs dont l'intelligence est changée. Quand tu les vois en train de parler, c'est comme si eux, ils sont la source de la science. Ce sont des gens qui sont en train d'aller vers leur fin. Ce ne sont pas des personnes qui vont être élevées et être encore plus prospères. De la révérence pour Dieu. Ika et Allah bonya ba. Ibrahim a yepinduguma ayepatolike. Abraham s'est prosterné par terre, il a adoré Dieu. Amen. Afin flanami. Et le deuxième point que nous allons voir. Ephésiens au kitabula. Dans l'épître aux Éphésiens. Ephésiens au suranani. Dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Le deuxième point, c'est travailler. Ou bien qu'est-ce qu'il nous dit la Bible, que nous ne devrions pas travailler? Hein? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous ne travaillons pas? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Celui qui dérobait, hein, les voleurs, que le traite, c'est fini. Que les vols, c'est fini. Afamna, est-ce que c'est compris? Dis à la personne à côté de toi. Voilà. Même si ce n'est pas toi, les vols, c'est fini maintenant. Celui qui dérobait, hein, qu'il ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Oui. Ah bon? Et honorer Dieu, c'est très bien. Connaître Dieu qui est Dieu, il ne faut pas oublier ça. C'est très bien. Mais fais tout ton possible pour travailler. Et la Bible nous dit de travailler de nos mains. Est-ce qu'on a dit de travailler seulement avec ton diplôme? Ou bien ta spécialité, travailler non. Dans ta spécialité, non. Mais que tu travailles avec tes mains. Écoutez, c'est pas des théories. C'est dans la Bible, ce n'est pas des théories de ce monde, mais c'est écrit dans la Bible. On ne va pas sortir de la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que nous travaillons avec nos mains et faire du bien et donner à celui qui est dans le besoin.
Travaille avec tes mains. Et le Seigneur a dit à Adam, je vais bénir l'œuvre de tes mains. Dieu te fait prospérer. Et c'est sa volonté. Mais il veut que tu travailles. Hein? Et après, il va te faire prospérer avec ses gains. Quel que soit le travail que tu fais, Dieu est capable d'agrandir ce travail. Quel que soit le travail que tu fais, Dieu est capable de le développer pour glorifier son nom. Si tu vas t'asseoir avec ton diplôme, moi j'ai étudié dans ce domaine. Si ce n'est pas ce domaine, je ne vais pas travailler. Il faut prier pour que le Mali aussi change beaucoup. Hein? Combien de personnes? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sans bras? Tu as des bras? Dis à la personne à côté de toi, toi tu dois travailler. Si tu as des bras, ça c'est une condition que dit la Bible. Mais même si tu n'as pas de bras, mets ta tête au travail. Travailler. Et tu vas travailler, Dieu te bénit et il te fait prospérer. Soyez bénis, ça va venir comme ça. Dieu a des principes. Il y a beaucoup qui vont penser que nous allons dire vous êtes bénis et ça va tomber du ciel. Non, le Seigneur a des moyens, des chemins. Et si tu acceptes ce que dit Dieu, Dieu aussi va accomplir son rôle. Voici le piège pour ceux qui travaillent. Nous allons voir ça tout de suite. Mais la Bible nous dit de travailler. Tout ce que ta main peut faire, fais-le. Si ce n'est pas du vol, fais-le quand même. Si ce travail peut te rapporter quelque chose, travaille. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est après Dieu va t'amener la prospérité. C'est pourquoi il nous dit dans Deutéronome chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, verset 17 jusqu'au verset 18. Deutéronome 8, Deutéronome chapitre 8, les versets 17 à 18. Et verset 10 Wolomvla kase tan shekima. Quel encore barake? Après avoir travaillé, après avoir commencé à travailler, que tu prends garde de toi-même. Garde-toi de dire en ton nom, ma force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ne perdurent pas dans leur travail. C'est pourquoi la prospérité qui est derrière le travail, beaucoup ne le reçoivent pas à cause de ses pensées et de ses paroles. Ma richesse, mon argent, c'est moi qui te nourris. C'est Dieu qui nourrit. C'est moi qui fais de toi quelque chose. Dis à la personne à côté de toi que c'est Dieu qui fait prospérer. Et le chef de famille, il ne faut pas lier, barrer tes gains avec ses pensées et ses paroles. Même si tu es fâché, ne le dis pas. Ne dis pas dans ton cœur ce que c'est par ta force que tu as acquis ces richesses. Non, 18 maba. Ko walsa aya kalika laidumita ibemba uye aka osinsi. Afin de confirmer. Non, 17. Iere koloshi. Ikana fo ikono. Kana fo ko ifanga ni ibolo barka de ato ye ni namfolo soro. Voilà, iha kalika to matiki la le verset 18.
Qui donne la force pour acquérir la richesse et le travail? John. Qui? Matigi. Le Seigneur. Ni ni famia. Si tu comprends ces choses, barake, quand tu vas travailler, alakaichidi, que Dieu te bénisse, tu rends grâce à Dieu, tu ne deviens pas orgueilleux. Et les bénédictions de Dieu vont se. Afin que Dieu confirme comme il le fait l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Pour que Fentigia. Pour que l'alliance soit confirmée dans ta vie, toutes les promesses accomplissent dans ta vie, tu dois savoir que ce n'est pas ta force, mais c'est Dieu qui t'accorde la richesse. Dis à la personne à côté de toi, travaille. Barak. Travaille. Oui. Ah ouais? Travailler, c'est un commandement de Dieu, comme il a dit, d'aimer ton prochain. Oui. Mais ninga na occasion ni mokoma ka para ke foka seke ko dili tante bolo via bible kalantante bolo ikoloshi shitanep seko halo para fene suku di mokoma. Cela ne doit pas être une raison que quelqu'un aille travailler jusqu'à ce que tu n'as plus le temps de prier, de lire ta Bible. Satan aussi peut t'accorder un genre de travail comme ça. Voici. Atifoi tien shitanep ka para dode mamimbi bal dili la. Et ça n'empêche à rien Satan de t'accorder un travail qui t'empêchera de prier. Atifoi tien shitanep ka para dodi au mahali shini mimba au ma. Ça ne lui gâte rien de te donner un travail qui t'éloignera même de Dieu. C'est ce qu'il veut d'ailleurs. Ça ne vient pas de Dieu. Je l'ai dit déjà au commencement que les bénédictions de Dieu enrichissent, mais c'est sans conséquence. Et si Dieu est impliqué dans ton travail, tu prospéreras dans ton travail et ça te préservera des conséquences. Si je dis travail, voilà, barabe, barabe. Il y a du travail, il y a du travail aussi. On gagne des richesses dans quelque chose qui n'est pas du travail. Je pense que ceux qui sont intelligents sont ici vont comprendre. Et troisième point, pour que Dieu fasse prospérer quelqu'un, après le travail, être un bon gérant. Pas le gain de Dieu, mais troisième, pas le gain de tes gains, mais le gain de Dieu. Être un bon gérant. Que les gérants du Seigneur lèvent la main. Mounoumbe Abetien. Quiconque comprend que ses gains ne sont pas sa force, sa puissance, mais que ça vient de Dieu, il saura comment gaspiller cet argent. Quiconque se rendra compte que l'onction qui est dans sa vie ne l'appartient pas, mais que ça vient de Dieu, il saura comment gérer cette onction. Voici la personne que Dieu ne fait jamais prospérer. Est-ce que vous allez confier votre argent à quelqu'un qui va Est-ce que vous allez confier votre bénédiction à quelqu'un qui va gaspiller, mal gérer? Est-ce que toi tu es un mauvais gérant ou tu gères bien? Quand Dieu quand Dieu prospère quelqu'un, il veut que tu le dépenses à sa volonté. Et quand tu agiras ainsi, Dieu aura plus confiance en toi. Il te confiera encore plus parce qu'il sait que tu enverras ce qu'il te demandera. Matthieu chapitre 25, verset 14.
Un homme qui partait en voyage, il a appelé ses serviteurs, il les confia ses biens. Il a donné à l'autre deux. Au troisième, il a donné un seul. En tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Aussitôt après, celui qui a 5 talents est allé faire son commerce. Et beaucoup pensent que ça c'est des dons, mais ici on a dit qu'il allait faire des commerces. Dieu appelle ses enfants, leur donner de l'argent, qu'il en fasse ce qu'ils veulent. Alléluia. Alléluia. Ala tayaka na folo e abadi aka mogo ma ka kayeni useko ye wa odilib na damne to ma ka chaya bit. Et Dieu, la richesse de Dieu l'appartient, il le donne à son peuple comme il le veut, et ça, certains vont commencer à le recevoir aujourd'hui. Quel est le problème? Kota landuru tigitara jago ke ni aka wari ka talanduru wereso. Celui qui a reçu 5 talents son Allah, il les fait valoir et il gagna 5 autres talents. Talent flatigi fana injago ke ka talent fla wereso. Celui qui avait 2 talents en gagna 2 autres. Talent gelin tigitara dingesin duguma ka war blay. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent et son Allah faire un creux dans la terre, il l'enterra là-bas. Dingesena okubulo grota. Ceux qui creusent des creux dans la terre qui lèvent la main et creuser dans la terre et enfouir ce que Dieu te donne là-bas, c'est eux qui viennent fatiguer tout le temps, quelqu'un que Dieu est comme si Dieu est comme ça. On t'a donné un talent parce que Allah veut faire que baraque no talent quel est akai jidi, et parce que Dieu veut que tu travailles avec ce seul talent pour qu'il te fasse prospérer pour avoir 5. Mais ce seul talent, et toi tu vas acheter des forfaits avec pour regarder des mauvaises images sur internet. Et ce petit talent que tu achètes des crédits et tu appelles les filles ou tu vas diffamer ou papoter. Ce talent que ce soit par exemple 1000 francs, va acheter une boîte de sardines, un peu de pain, le reste de monnaie, mettre des petites choses pour aller et mélanger la tête d'une jeune fille qui est récemment sortie du village. Quand ceci là vient lever la main, Matigi nebe do fait tourner. Moko mi kemé flaké noyé noyé watans robena munga. Otnata hôtel là. Dépenser ainsi 1000 francs, s'il va avoir 50 000 là, il va aller se trouver dans un hôtel. Est-ce que hôtel là? Ikrefe moko yenga. Talent quel me bolébe munéka na. Demande à la personne à côté de toi. Le seul talent que tu as, qu'est-ce que tu en fais? Oui. Rien de tout. Il y a beaucoup qui veulent avoir 5 talents en même temps. Ils ne savent pas que Dieu leur confie un seul talent pour les tester, les mettre à l'épreuve. Après, il t'accordera les 5 talents. Pour que Dieu te bénisse et te fasse prospérer, sois un bon gérant de Dieu. Il y a beaucoup qui veulent des dons dans l'église. Et 5 ans, 4 ans, 10 ans, pour avoir avec un seul talent plusieurs années, qu'est-ce qu'il va faire avec pour que après je sois libre des mains envers lui. Mais quand le maître revient, qu'il rende compte, qu'il fasse le rapport, qu'est-ce qu'ils font? Duru, oya tafo, makai dore farotaka. Flatiki ya tafo, makai dore farotaka. Sabanan ko,
kafoko make kone tunyado ye mo gele ima daninge yero mi seza seza olu de beka yesu to ya mabe ko yesu ma foigne olu ka nyana mayala yesu ma hakli tola de mal parler de Jésus que Jésus n'a rien fait dans leur vie. Jésus ne s'est jamais souvenu d'eux. Yesu tene kanu. Jésus n'est même pas. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous a déclaré un jour que Jésus n'aimait pas. Ou bien vous n'avez jamais rencontré une telle personne. Jésus ne m'aime pas. Moi, quand je regarde ma vie, Jésus ne m'aime pas. Si je me regarde moi-même, Jésus ne m'aime pas. Alors que lui, il y a quelque chose en lui que Dieu n'a pas donné à une autre personne. Au lieu qu'il jette ça, pour qu'il avance, lui, il voit ce que les autres ont devant lui. Comme lui, il n'a pas ça, Jésus ne l'aime pas. Je ne sais pas comment vous avez compris l'amour. Angelica. C'est un homme qui est assis sur un grand trône dans le ciel. Il suffit seulement que Angelica kana yoro la droko o yoro atmosphère bis naka falinga ket tanuli aleti. Et quand Angelica apparaît dans quelque lieu que ce soit, l'atmosphère de ce lieu la change et ça devient la célébration, les louanges pour lui. Voici Angelica. Yesu koko, il lui a donné un tout petit portion kanuya portion fitini kaleo de di Angelica ma. Il a dit qu'il a donné à Angelica une toute petite portion d'amour. Portion bedile no andomaya. Et il y a certains qui ont plus de portions. Il y a d'autres qui sont nés dans des grands lieux. Il y a d'autres qui sont nés dans des problèmes. Il y a d'autres qui sont nés de misère. Et cela ne veut pas dire que Dieu t'a placé. Dieu t'a placé là-bas pour que tu sois béni et que tu prospères. Et il t'a donné un moyen aussi pour que tu prospères. Voici. Dans sa vie. Et Dieu n'a pas résolu qu'il soit riche, très riche. Il était pauvre. Il n'était pas riche, mais il travaillait. Même avec tout ça, avec sa pauvreté, il travaillait. Le peu d'argent qu'il gagnait, il prenait ce peu d'argent. Il allait acheter des livres de Bible et il le distribuait aux gens pour qu'ils connaissent Jésus. Des fois, il passait la journée sans manger. Parce que baraque ka warfitini misura bodo livru la wala sans mogoto ka Yesu kodo aleka to kongola. Parce que le peu qu'il gagnait dans son travail, il le dépensait dans les Bibles, dans les livres, pour que les gens connaissent Jésus. Yesu koka e portion fitini nesro. Jésus dit qu'il a reçu une petite portion d'amour. Angelica ina fo talent kelentiki. Angelica, c'est comme celui qui a réussi un talent. On lui a donné un tout petit quelque chose. Il était placé dans une situation de sa vie qui n'était pas facile, mais c'était la volonté de Dieu qu'il soit là. Dans la situation dans laquelle Dieu a placé Angelica, il a aimé ça. Et puis il a bien géré ça. Et dans cet état, il a travaillé. Quand il allait au ciel, Paul que tout le monde a connu. Paul qui a annoncé l'évangile. Et que son nom est écrit dans la Bible. Le même titre que porte Paul dans le ciel et Angelica porte le même titre. Et il a reçu une grande récompense. Peu importe, Allah son aïka bangé choko chokola, Allah est fendo de tima, abe feka bara keno, voilà ça le qui jidi. Le problème. Kala gawarta kata do apashila kai birmuto no fe mangandro katire kangari. Prendre l'argent de Dieu, aller jeter. Une moto qui fait de grands bruits, ayant la tête baissée, tu vas te casser le cou. Sangoute à canasse, ya sangoute à canasse, ya sangoute à la capara. Non, manga indron, yanga tadro. La moto n'est pas achetée pour faciliter mes déplacements, mais juste le bruit que ça produit et pour faire de grands bruits, et c'est tout. Odeato ni mime demandaina, moro kokada nigne, parce que abou mena chokodon. Parce que l'esprit qui est dans les lieux d'orpaillage
il aime beaucoup les gens parce qu'ils savent comment les prendre. Abi wa kemi ou bien million fla di doma bi abado abena bla abla ka teme o tiki fe abado abena bla baramino million fla chou koni du kuseje chea abebe chia tiki bena sena. Il va donner 500 000 ou 1 million à quelqu'un et parce que il sait après qu'est-ce qu'il va le pousser à faire hein, et la personne va revenir après. Abu nomeka passe ni demanda kama ala kaduba ouye. Vous qui êtes en train de chercher des transports pour aller dans les lieux d'orpaillage, que Dieu vous bénisse. Et que nous saluons l'or là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Et après quelques jours, il allait gaspiller cet argent dans un pays éloigné. Le troisième point, c'est être un bon gérant. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut dépenser l'argent de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une personne affamée qui peut avoir et tu l'achètes de la nourriture? Est-ce qu'il n'y a pas une personne désespérée que tu peux donner l'espoir? Est-ce qu'il n'y a pas un malade qui peut être guéri? Est-ce qu'il n'y a pas un ministère de Dieu que tu peux soutenir? Il n'y a aucun ministère de Dieu pour soutenir. Par ton argent, tes gains, ce que tu as. Sauf Satan et des choses inutiles. Mais être une source de bénédiction. Comment est-ce que tu veux que la bénédiction de Dieu coule dans ta vie jusqu'à ce que tu sois une source de bénédiction? C'est la mauvaise compréhension de ces choses que beaucoup pensent qu'ils ne sont pas bénis, exaucés. Toi, tu n'accomplis pas les principes, les lois de Dieu. Le quatrième point, ça c'est la dîme. Payer toutes les dîmes. Comme dit la Bible. Et amener toutes les dîmes dans ma maison pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte. N'ouvrirai-je pas les écluses des cieux? Et que des bénédictions sans limite pleuvent sur vous jusqu'à ce que vous n'ayez pas où les garder. Il y a beaucoup qui disent que les dîmes, ce n'est pas pour le Nouveau Testament. Voici. Écoute le témoignage de quelqu'un du Nouveau Testament. Il y avait un homme. Il a une grande entreprise. Il gagne bien. Tout ce qu'il gagne, il ne paye pas les dîmes. On lui a parlé. Il n'a pas écouté. Le prophète Philippe Banda au Sud-Afrique. Et Sud-Afrique, qui rend Philippe Banda, c'est lui qui est en train de témoigner. Comment il ne s'intéresse pas à Dieu? Et Dieu n'a pas sa part dans ce qu'il gagne. Du jour au lendemain, il y a un esprit de folie qui lui a été envoyé. Il avait une grande usine de façon de rafraîchissement. Voici. La personne qui ne paye pas toutes les dîmes, tu es en train d'ouvrir la porte à Satan, pas Dieu, hein, mais à Satan, il fera ce qu'il veut de toi. L'esprit de folie est venu prendre l'homme. Il a pris un bâton. Il est rentré dans ses boissons. Il a commencé à les frapper. Il a commencé à les frapper. Il a commencé à tasser. Jusqu'à arriver au niveau, à la quantité de dîme. La quantité de boisson qui devrait être la dîme. Non, vous n'avez pas compris. Si. C'est pas qu'il a qu'à boisson jagabo. C'est pas qu'il paye, qu'il paye les dîmes de la boisson. A qu'à entreprise ou wari. L'argent de son entreprise, la dîme qu'il devrait payer pour ça, et le montant d'argent de cette dîme, c'est lui qui a pris le bâton, il allait casser tellement de bouteilles.
de boissons jusqu'à arriver à ce quantité de dîmes. Quand il atteint ce niveau, il s'est demandé, mais qui a fait ça? Dis à la personne à côté de toi, si tu ne payes pas les dîmes, tu te détruiras toi-même. Écoute ce que disent les gens au Nouveau Testament, ceci, c'est ça. Hein? Regarde ça et dis-moi si Moïse avait reçu la loi. Genèse 14, 18, 20. Ko Salem masake Melchisedek tara ni dumuni fin ni divin. Melchisedek, roi de Salem, a fait apporter du pain et du vin. Ala krotalemba kasra kala seba tundu. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ay duboke Abraham eko. Il bénit Abraham et dit. Sankolo ni dugukolo tiki ala krotalemba ka tuba Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ala krotalemba ka tanu, amina. Et béni soit le Dieu très haut. Ijukudo ibolo. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisedek est joint. Qui est Melchisedek? C'est une figure de Jésus. Yesu. C'est lui-même. Yesu. Roi de Salem. Jérusalem massacré. C'est Jésus. Ibrahim a étouba jagadi joma. Abraham a payé les dîmes à qui? À Jésus. Abraham jagai kadi. Il est sorti avec le dîmes. Il a donné la dixième partie de tout ce qu'il a gagné. Est-ce que Moïse était né en ce moment? Est-ce que Israël existait en ce moment? Est-ce qu'en ce moment il y avait la loi? Non. Et les questions de dîmes, ce n'est pas une question de loi. C'est pour vénérer Dieu. C'est pour vénérer, honorer Dieu. Et quand tu le fais, Dieu te bénira. Les dîmes te protègent de la destruction. Et ça fait descendre des bénédictions sur toi. Israël, wajibi kundo sariya ukata parce que Israël est une nation. Il faut mali jamana salembe non impope ou jamana constitution. Israël ka jaga mo chokola oni ala tate kleinti. C'était obligatoire qu'il y ait des lois en Israël. C'était comme c'est une nation, un pays comme le Mali et ça n'a rien à voir avec les dîmes. Ibrahim a jaga bon. Abraham a payé les dîmes. Jésus yere dakumana jaga kola. Jésus lui-même a parlé de sa bouche sur les dîmes. Fona soro ite Jésus la fanane. Sauf si tu n'es pas en Jésus. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la mine, de la nette, du commune. Et ce qui est le plus important dans la loi. La justice, Makari, la miséricorde, la fidélité, vous laissez cela. Écoute ce que dit Jésus. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres choses. Quelles sont les autres choses? Les dîmes. Jésus a dit de payer la dîme. Voici les versets. À verser flénier. Je n'ai pas dit que tu payes la dîme de mint. Il n'y a pas de pasteur buveur de thé ici. Non. D'abord, c'est pour venir, c'est pour honorer Dieu. Et payer les dîmes auréga à la bougna. C'est la même chose que j'ai dit. Au lieu d'amener tes richesses, il faut révérer, il faut de la révérence pour Dieu. Abraham a fait chomi. Il faut vénérer Dieu comme Abraham a fait. Après, viens honorer Dieu avec tes gains. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous l'a pas donné? Qu'est-ce que nous pouvons avoir que Dieu n'en est pas digne? Principe d'offre pour bénir son peuple. Voici un des principes de Dieu. Walsaka Duba Akadjamaï.
toutes les dîmes. Ce que tu n'oses pas donner à ton beau-père, tu vas donner ça à Dieu. Ce que tu n'oses pas donner à ta femme, tu vas le donner à Dieu. La chose que tu as honte de donner à ton ami, Dieu qui est plus grand que ton ami, tu vas le donner à Dieu. Est-ce que tu es en train de le déshonorer ou de l'honorer? Point d'interrogation. Que personne ne te trouble. Si tu agis, les bienfaits, c'est pour toi. Alléluia. Avant que ton argent honore Dieu, que tu le vénères d'abord dans ton cœur, et après tu vas l'honorer avec tes gains. Dieu va te bénir aussi. Nous allons continuer. Nous allons voir le cinquième point. L'offrande. L'offrande. Voici un des moyens de Dieu pour faire prospérer son enfant. Donner l'offrande. Et donner l'offrande. Écoutez, on ne doit rien vous cacher dans la Bible. Sinon, effet, non, je n'aime pas ça. Et ce message-là n'est pas fait comme ça. Je n'aime pas donner ça. Parce que Mali, voilà, on a Malien toi. Les chrétiens me font bien y a conjugué des cancissants. Actuellement, de nos jours, les chrétiens maliens voient tout dans son sens tordu ou renversé. Marc 12, 44. Kanilike. Donner l'offrande. Kanilike. Donner l'offrande. Mokomi ben nilike. La personne qui donne des offrandes reçoit aussi. Afflé. Comme ce fantan chez Salin Donnani, Warm Saint-Flabla, qu'est-ce que non? Une veuve a amené deux pièces, il l'a mis dans le panier. War Tunte Temetama Kelen Yoranga. Cet argent était deux petites pièces. Mais, verset 43. Verset Binanisama. Koye Suye Akakalandon Weleka Fouyeko. Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. La personne qui a déposé seulement deux pièces, comment elle peut donner plus que ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de mettre beaucoup d'argent dans le tronc? Jésus dit, car ils ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Regarde. Qu'est-ce qui est beaucoup grand pour Dieu? Et les choses sont grandes pour Dieu ou peu. Et dépendant de ce que Dieu t'a accordé. Je vous demande. Million kelen me mokom bolo noy keme flani ala la eska ma doya. Quelqu'un qui a 1 million, hein? S'il va offrir 1000 francs à Dieu, je m'en fous de ça. Vous êtes en train de penser à vos argent et ne que serait-ce ou wari à quel nom là. Je m'en fous. Tay naka ne fene. Alléluia. Ne me gagne fort doit don là. Je n'attends rien. J'étais en train de dire ça à quelqu'un, la personne a fermé les oreilles en disant ne clôte fort. On ne gagne pas quoi clôta là parce que na clôte don na ni ne taranya ka ma du zukuma na jala ki ya. Non, je n'entends pas, je n'attends rien. Il ne veut pas que je lui dise parce que s'il entend son cœur va le gronder, il dit que non, allez clôte fort là te ka fort mais. Oui. Quelqu'un qui a 1 million, s'il va offrir 1000 francs, il a déshonoré Dieu. Mais, quelqu'un qui a 1000 francs, si il va offrir 1000 francs à Dieu, il a déshonoré Dieu.
énormément honoré Dieu. Est-ce qu'on se comprend ici? C'est pas une question de pauvre ou de riche. Chacun, ce qui est c'est ce qui arrive à cette femme-là. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle n'avait que des pièces. Mais elle a laissé ses pièces. Elle a régné beaucoup de ses. Et elle a tout laissé pour Dieu. C'est comme ça. Celui qui a un milliard, il va donner 2 millions à Dieu, il l'a déshonoré. Nous allons arrêter toutes ces choses-là aujourd'hui ici. Les gens aiment tellement l'argent plus que Jésus actuellement. Oui, c'est comme ça. Abou Tchoko de Latin. Toi, tu as combien? Jolibé Ebolo. Avec combien tu es en train d'honorer Dieu? Jakaï Wajibi. Les dîmes, c'est obligatoire. Les offrandes, c'est avec plaisir, c'est libre. Mais c'est aussi une source de bénédiction. C'est aussi une source de bénédiction pour honorer Dieu. C'est une source de bénédiction pour honorer Dieu. Oui. Si quelqu'un veut encore prospérer plus et recevoir plus de bénédictions de Dieu, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et Dieu te bénira aussi. Il ne faut pas penser que je suis pauvre, moi je n'ai pas grand-chose. Cette veuve-là était pauvre et n'avait pas beaucoup de choses. Mais le peu qu'elle a, elle a espéré que Dieu peut changer, se transformer, multiplier cela. Un jour, moi, je n'avais rien que 2000 francs. Je l'ai donné. Je l'ai offert le lendemain. Il y a quelqu'un qui m'a donné 200 000 francs pour aller chercher les documents du terrain. Combien 200 000 fait combien de fois 2000 francs? Je n'ai pas dépensé un rond, la personne m'a donné le montant complet. Vous qui êtes pressé de changer l'argent, que Dieu vous bénisse. Vous plongez les mains dans les paniers, vous changez, vous monnayez l'argent. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur m'a fait le témoignage d'un homme. Quand l'homme allait à l'église, il ne venait pas avec l'argent. Quand il sort de l'église, il part avec l'argent. Qui veut être comme cet homme-là? Et toi, tu ne veux pas cette bénédiction. Il ne vient jamais avec l'argent à l'église, mais quand il sort avec une bénédiction. Vous ne voulez pas être comme cet homme-là, mais vous ne voulez pas la bénédiction. Qu'est-ce qu'elle fait l'homme? Quand le panier passe, les gens mettent de l'argent dedans. Il dit, venez. Et il plie bien les doigts. Il plie bien les doigts. Il prend le panier. Il le met comme ça. Ses mains vides rentrent dans le panier et ses mains remplies de billets sortent du panier. Oui. Il est devenu un grand expert. Et il a duré à faire ces choses-là. Les gens pensent que quand il va plonger sa main, il dépose quelque chose, mais il ne laisse rien. Avant cela, il est devenu riche. Il y a certains qui ont beaucoup de courage. Il y a certains qui sont tellement courageux devant Dieu. Philippiens 4, 14, 19. L'épître Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4. Philippiens 4, sur l'année. Reflet.
nafa beni lila. L'offrande est très importante. Verset 14 à 19. Voici Paul qui parle. 15. Philippe kaw yere ba do kone bora Macedoine jamana la tumamina ki boro duma damena tumala eglise min kera ne jenyonye nini li sroli la oyi awde oyi awdoroni Philippe eglise min kumbe nini ke ekote nintemo ko kelen doronga eglise l'église de Philippe était une église qui eglise ba bolo fara nyongon kanka ke wariye ka ti Paul maka Paul de maka tola ani ki boro duma. C'est toute l'église ensemble qui mettait de l'argent pour soutenir Paul dans ses détresses pour son évangile. L'église. Si vous avez du courage, agissez ainsi et vous verrez ce que Dieu va faire. Dis à la personne à côté de toi, si tu es courageux, ensemble faisons cela et nous allons voir ce que Dieu fera. Le verset 16. Verset 1 ou Hali kane to Thessalonique. Quand j'étais à Thessalonique, vous fûtes les seuls à m'envoyer ce dont j'avais besoin. Le verset 18. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche les dons. J'ai reçu tout. Et je suis dans l'abondance. Ne fara. J'ai été comblé de bien. Sabu. En recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que les versets suivants là, ça n'appartient pas à tout le verset biblique qu'on a kanana ipanga protika dongli dala noye dongli dana c'est faux. Si tu tombes sur ce verset là, il y en a qui chantent avec ça, c'est tient. C'est faux. Il y en a là qui m'ont baigné. Qu'est-ce qui est écrit? Ko ukara ale demembaye ki brodumana ka toro la uye nilike. Donc au cours sont les versets 18 et les versets 19. Neka ala na au mako baigné ka kayana ka fentikiya e norola Christ Jésus là. Amen. Voici la bénédiction qui va accompagner l'offrande. Tu vois même tout. Ika ni li ko feo de flenier. Oui. Alana au mako benye. Kakayana ka fentikiya yi. Aka fentikiya be seminare. Abena au mako nyo chobon. Selon sa richesse. Muna? Parce qu'ils ont prié. Il va pourvoir selon le niveau de... Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié. Pourquoi tu vas jeûner prier à cause de l'argent? Non. Est-ce qu'Allah a promis de ta kitabu qu'on aura ici nos kala de l'imaujiri? Est-ce que Dieu a promis dans la Bible jeûner prier je vais vous faire prospérer? Philippe gao yesu njolo. Est-ce que combien de jeunes les Philippiens ont fait? Ouya yeko Paul mago de bala. Ils ont vu que Paul a des besoins. Ouya yabeka kiborodumu fa kanga demain. Ils ont vu qu'il était en train d'évangéliser en Paul mago nyena Paul fara. Et Paul a été comblé de bien, il était satisfait. Laidou fleni. Voici la promesse. Allah na umako nye. Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Le verset suivant. Verset mimeta ou bien oya dai. Ou bien c'est tout. Voici la promesse. Laidou fleni. Afle. Ni ala man verset di maika fo mo ye ni jote ko parce que imune lo kala na mo ko nye mo ko ka semen nu ka sanwara nu ka fena u be na kele ara konti ye ya no muninte ni di mo ko ma ti agi ti fait quelque chose et Dieu fait sa part. Et si tu vas proclamer ce verset sur les gens parce que tu es très loin et c'est pas l'onction qui te donne ces choses là afle muninte ala karaba ka ka puma soso. Et l'onction ne va pas forcer Dieu à s'opposer à sa parole. O de la matri manane de ce qu'on fait yani ka tuba karaba ka fene mogo asoro choko fana fuye folo nega nebe barake ninga pumai. Au lieu de forcer les bénédictions, mais explique plutôt aux gens comment recevoir les bénédictions. Moi j'œuvre dans ma parole, barake ninga kumai, je travaille avec mon ma parole. L'église de Philippe était une église que Dieu a pourvu à leurs besoins. À cause de leur geste pour Paul, Dieu a pourvu à leurs besoins.
ils ont offert. Ils ont laissé leurs biens, ils ont offert. Et jusqu'à ce que Paul dit qu'il est comblé de biens. Combien de personnes ont des offrandes dans leur vie? Et jusqu'à ce que la personne dit qu'il est comblé. Beaucoup vont dire, moi-même, je ne suis pas encore comblé. Voilà. Nous allons sauter cette partie. Sixième point. La semence. Et d'anéché. S'aimer. Kadanike. Kadanike. S'aimer. Voici un des moyens de Dieu pour faire descendre sur une personne des bénédictions illimitées. La Bible dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Voici. Comme l'exemple de la veuve et s'aimer deux pièces dans la vie de quelqu'un, Dieu va te le retourner en multipliant parce que tu n'avais rien d'autre que ça. Jean 12, verset 3 au verset 7. Comme Maria m'a tout le soumettement l'idée de clancheta, n'a tout le sebet tondo, à son go tunga gelen, kosebe, à Maria m'a vu s'aimer, elle veut s'aimer. Marie be fait kadanike. Abe fait kadanimbake. Elle veut faire une grande semence. Kotulo y son go tunga gelen, kosebe. Nebadoni dok mea, dok metatika tout le sambitigilaka, à Nagamin, tout le soumou de la kata di Yesuma. Quelqu'un était ici, va aller acheter de l'huile d'arachide à la boutique, va mélanger et donner à Jésus. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà. Quand la semence arrive, c'est ce qui arrive. Un des disciples de Jésus, Judas Iscariot, escroc, qui va livrer Jésus, il dit, hein, c'est ça qui ne finit jamais dans l'église. Il connaît même le prix de ce parfum. Il a dit, pourquoi vous ne l'avez pas vendu pour distribuer aux pauvres? Qu'on ne peut pas faire des offrandes aux pauvres et s'aimer aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Et aller attaquer Jésus lui-même qu'on ne doit pas s'aimer dans sa vie. Si Jésus est attaqué, qu'on ne doit pas s'aimer dans sa vie, aucun pasteur n'est épargné de ça. Sauf si tu n'appartiens pas à Jésus, tu ne vas pas être épargné. Quelqu'un va dire autre chose. Judas donc. C'est un Judas. C'est un escroc. C'est un Judas escroc. Et en le disant, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est lui qui doit le recevoir. Il disait cela, non, prenez de peine pour les pauvres. Parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse. Il prenait ce qu'on y mettait. Les affaires de Judas sont en train d'être détruites. Ça fait très longtemps. War dernier qui met sa maman blaboro qu'on a eu occasion présenter les musso doyer parfum d'agalent à cano bon Yesuka ni affaire ni mamba Yesu fait même noche. Ça fait longtemps on n'a pas mis les 100 deniers dans son panier et maintenant qu'on va le faire, Jésus va détruire ses bonnes affaires. Allégé. Yesuka jabi flé. Regarde la réponse de Jésus. Est-ce que Jésus a maudit la femme? Akatani shimaya. Jésus lui-même, il va dire quoi? Ça, c'est moi, ce n'est pas bon. Jésus, Ayatoui.
aka omara ne kasan kenye fanta mba uchela tuma benga ne koninta uchela tuma ben. Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Fanta demenie dani fana dani. Aider le pauvre, c'est aider le pauvre. S'aimer aussi, c'est s'aimer. Dani et dani. S'aimer, c'est s'aimer. Voici décembre, le mois de décembre dernier avec ma femme Neni Mousso, nous avons résolu et aller nous tenir à côté de l'armoire de la maison. Nous avons ouvert tout ce qui s'y trouvait qui avait beaucoup de valeur pour nous. Des vêtements qu'on n'a jamais portés. Tout ce qui est vraiment très important. On a tout pris. On a mis dans des valises. On est allé s'aimer dans la vie d'un serviteur de Dieu au Mali même. 5 mois après. Kaloduro au coffin. A fallu na mina au kachani anye mina shenkeme. Ça a été changé à ce que nous avons sémé et plus de 100 fois. Moi, je ne me tiens pas pour déclarer quelque chose qui est impossible. Non. La semence sémée ne se fait pas sans libéralité. Quand tu vois ta semence, des fois, tu as envie de pleurer, tu ne veux pas le donner. Isaac a dit toi à la main, ah ouais, que Ibrahim a qu'un petit déa. Isaac, quand il le sacrifiait à Dieu, vous pensez qu'Abraham est allé en chantonnant, en faisant ce sacrifice? Aya kenny de sukun kami aya ke akumanda et mais comme akanga ke aya ke. Il l'a fait avec un cœur vraiment serré, difficilement, mais comme il doit le faire, il l'a fait. Quand Jésus était la semence pour le monde, et tu penses que Dieu le Père l'a fait avec joie? Tu penses qu'il manquait d'amour pour lui? Il a sacrifié son fils unique pour récolter des millions et des millions de fils. Aujourd'hui, il est satisfait, comblé. S'aimer est vrai et Dieu te bénit quand tu s'aimes. Même quand tu vas s'aimer ton temps dans la prière pour une personne, Dieu va te le retourner. Quelqu'un d'autre va prendre le temps pour prier pour toi. Ça serait pas une question de pasteur ou non pasteur. La personne qui s'aime avec foi va récolter. Puis, aujourd'hui, dans les églises maliennes, il y a très peu de semences. Si tu vas dans beaucoup de pays, tu vas trouver que les gens s'aiment énormément. Et on s'aime aussi dans une bonne terre. Quand vous semez vos milles, dans quel champ vous allez semer? Quand vous allez émettre vos semences, vous allez les semer dans quel champ, quel sol, dans une assiette? Tu vas semer dans une terre qui est vraiment bien, un bon terre. Il faut le semer dans une vie qui va avec Dieu. Il faut s'aimer dans la vie dans laquelle Dieu même est d'accord avec cette vie. Et quel que soit le temps que passe la semence, c'est mois, 2 mois, tu vas récolter. Et les semences, quand tu vas les récolter, tu peux même pas est comparé à ce que tu as semé. Voilà.
Leya leya nyejo fencha mana kallaje kallaje ngo ambal c'est ça même daninkera minga nyina mayala onye danishwe wakati mnata da bemifo. La personne qui a reçu la semence, quand il l'a vue, il ne savait pas quoi dire. Mais tout ce que sa bouche a dit, Ambeka a béyé kelingilena. Le Seigneur va élever quelqu'un à travers les semences. Afle. Voici. On va revenir. Amen. Seguin. Matthieu 10, 40, 42. Matthieu, suratan, binani, binani, fla. On va classer ça. On va finir bientôt. Matthieu 10, 40, 42. Matthieu, suratan, verset binani, fou, binani, fla. Afle. Nous ne pouvons pas sortir ces mots-là de la Bible parce que c'est vrai. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Verset 41. Si quelqu'un accueille un prophète parce que c'est un prophète de Dieu. Si tu veux enlever le prophète, tu peux changer avec quelques pasteurs ou qui que ce soit. Et Jésus parle de son oint, son serviteur oint. Si tu ne dis pas ça, ils vont dire pasteur. Ni pasteur doit une fois qu'asro onction prophétique baga, il faut que c'est un escroc. Si un pasteur va dire ça quand il a l'onction prophétique, il faut que escroc de kabe kamro nambara. Voici la semence. Seulement des serviteurs, mais la personne qui accueille les justes. Il va recevoir les récompenses du juste. Verset 42. Afle. Ko tien la ne ba fo aw ye ko. Moro moro mana hali jifle nyen kelen jisuma demandi ni demsen doma kamasro ayene ka kalande. Si. O tikite na tese o barajila hali jisuma tani mekani jisuma yesu de afo ya. Si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Même un verre d'eau fraîche. Il ne faut pas mal comprendre ça. Si tu vas mal comprendre ça, tu vas remplir ton frigo d'eau fraîche et tu ne fais que donner de l'eau fraîche aux gens. Tu es quelqu'un va avoir mal au ventre. Voilà, tu as compris. Tani flé. Voici s'aimer. Ni ala et tani que a été chaman sur pourquoi on t'a corrobo kalaje. Si Dieu a s'aimé, il a eu beaucoup de fils. Pourquoi nous n'allons pas le mettre à l'épreuve? Chaman avon ne pse kanim bebo nga sur oula chukudi. Beaucoup diront comment je vais enlever tout ça de mes gains. Wajibite ikanim beke eroningele. Ce n'est pas obligatoire que tu fasses ça. Donc y'a tani préparé. Il y a certains qui ont préparé la semence. Menim black RF, menim black RF. Je vais mettre ça à côté, je mets ça à côté, je vais faire ça avec. Mais tani keni fini. Je vais semer avec les vêtements. Je vais semer avec mon argent. Prophète Patrick. Le prophète Patrick. Il est en train de me raconter l'histoire de son père spirituel. Son père spirituel a eu une nouvelle voiture. Deux nouvelles voitures. Tellement qu'il aime la voiture. Il appelait un pasteur pour consacrer la voiture à Dieu. Je ne savais même pas qu'on va présenter une voiture à Dieu, préparer même une cérémonie pour ça. Tellement qu'il aimait cette voiture-là. Le pasteur Fananana. Le pasteur aussi est venu. Il est en train de consacrer la voiture à Dieu. Que m'oublie quand? Il faut faire ça sur que tu bénisses la voiture.
quand ils étaient en train de faire ça, j'ai dit au Père spirituel, tu as appelé pour me consacrer ta voiture. Donc, maintenant, donne-moi la voiture. Maintenant. Il faut prendre les deux voitures et lui offrir. Cette voiture-là que tu aimes, tu vas le prendre et deux, tu lui donnes. Quelle est la dame à l'influence? C'est un combat qui commence, c'est Satan qui parle. Satan qui parle. Satan va toujours parler parce que ça ne t'intéresse pas, ça ne t'arrange pas. Donc c'est Satan. Tout ce qui ne t'arrange pas, tu vas dire que c'est Satan qui parle. Il a dit ça. Dieu a crié plus donne fort. Donne la voiture. M'oblige. Ne t'ai-je pas dit de donne la voiture. Il a dit de me donner maintenant. Donne à lui la voiture. Il a su que c'est sans doute que ça vient de Dieu. Très très en colère. Je ne sais pas. Il a regretté pourquoi il a fait toutes ces cérémonies de présentation de voiture. Et il a offert la voiture là, ça n'a pas été facile, mais c'est fait. Mais aujourd'hui, il m'a dit à Père spirituel, il a trois avions. Il a trois jets privés. Mobile ça va t'aider. Avion ça va. C'est pas trois voitures mais trois jets privés. Wa ay mobile min ni mohola au coffre parce que Allah ya fente qui au coffre avec mobile qui met durbo. Il a presque après tout cela offert 500 voitures aux gens qui étaient. Il ne cherche même plus une voiture. Hein. Quelqu'un qui a trois avions, on a mobile ni mona tukuna. L'avion entretien est terminé à l'aéroport là. L'entretien seulement de l'avion à l'aéroport. Obéis. Nala ko dani ki Adam. Kamneli ke quand Dieu te dit de s'aimer. Dimina choko choko Adam. Quelle que soit ta colère, sème. Mali église wati sera en kan kulini konununa. L'église malienne, il est temps que nous nous levons pour ces choses là. Wati sera nga kununga toko anga ala sebaya obetki fentrido. Nous nous réveillons que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, il est riche. Point là-bas, le septième point. Et fin là-bas, le septième point. Ça, c'est épargné. Kamaralike. Kamaralike. Jean 6. Yohanas Raworan. Verset 11 à 13. Jésus irait maintenant demain marali quel chocola. Maudeli moji kanana mboninga bakureni yoroina. Parce que c'est va nous apprendre à épargner et que personne ne me frappe avec les cailloux parce que je vais dire quelque chose. Oui. Fendo karaya no ni manchamanga sokono abeka fendchama abeka fendo bloqué ou bien ka dado yele c'est pas bon. Il y a certaines quelque chose qui est passé ici. C'est dans beaucoup de nos maisons et ça fait des choses pas bonnes. Tout ce que Dieu te donne, c'est pas tout pour gaspiller, mais amara. Tokangamara. Tu dois en épargner. Voilà, ainsi de suite. Mais fais en épargnant cela, Dieu peut l'utiliser après, mais il ne faut pas tout gaspiller. Il a pris les pains, il le remercie à Dieu. Il le distribue à ses pains. Il leur donna aussi les poissons qu'il en désirait. Le verset 12. Quand il eut retourné, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé.
ya matigi ni interpelle kosebe amunu betumuni ke kanfa ka tawchien ka gaspiété. Ici le Seigneur m'a interpellé, nous qui mangeons à satiété et après on gaspille le reste. Ngoni yoro la mwonga na bakuru ke kambo. Et c'est pourquoi je dis que ici que personne ne me frappe avec tellement kanfara, tellement que nous sommes rassasiés. Abetchi abe fli. Et on jette le reste. Ça ne nous préoccupe plus. Parce que nous pensons qu'on va avoir encore. Tu es en train de fermer les tuyaux de ton robinet petit à petit. Même des bœufs, des moutons ne veulent plus en manger le reste. Combien nous avons gaspillé ainsi dans nos familles? C'est gâté, c'est gaspillé. Moi, je jette. Ça se trouve qu'il y a quelqu'un quelque part. S'il avait eu ce reste-là, il a faim, ça allait le rassasier, le satisfaire. Non seulement nous n'épargnons pas pour nous servir, mais nous gaspillons aussi. Voilà. Jésus même n'a pas voulu que le reste de sa nourriture soit gaspillé. Mais aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas, ces principes. Jésus sait que c'est de nourriture donnée par Dieu. Et Jésus sait que ce que Dieu donne, il ne faut pas gaspiller. Si quelqu'un n'a pas compris ça pour sa nourriture, sa richesse, ils vont gaspiller. Avec la provision céleste, il est en train de gaspiller petit à petit la provision céleste de Dieu. La personne qui gaspille la provision de Dieu, si ce n'est pas la miséricorde, la compassion de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse encore? Si ce n'est pas sa miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez dans nos maisons, nous faisons tous partie de ça. Comment nous gaspillons les choses que Dieu nous donne? Le gaspillage des choses que Dieu donne le fait très mal. Oui, mais manque de respect de Kanyeshi Alama. Ça, c'est un manque de respect envers Dieu. Quand on parle de prospérité, il y a tout ça. Ni Yirwali, ni Jidili, Mabefo, ni Bebakono. Vous me dites que vous avez dit que vous avez dit. Ils vont prendre un peu seulement, ils vont jeter le reste. Ça, c'est la nourriture d'hier, il faut jeter, c'est pas bon à manger. Tu vois, il y a beaucoup qui sont refroidis parce que beaucoup voient leur je vous mens pas, ni me bloquer les quais, ni me à la Bali. Si c'est pas la miséricorde de Dieu. Jésus dit qu'on ne gaspille rien. Mais pourquoi on gaspille? Muna ambetienike. C'est le septième point. C'est nanya olonflana fle. Odiye sin, et ça c'est le septième point. Mon ami, itekini fin de nona. Apprends ces choses-là. Apprenons ces choses-là. Qu'il soit notre manière de vivre. Une femme, elle a mis au monde un enfant, sans bras, sans pieds. Les médecins ont fait tout leur possible. Ils ont fait toutes sortes d'analyses. Rien ne va. Fouille manière. Muso, cette femme, elle a il y a un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher quelque part très loin. Atara. Elle est partie. Elle a entendu $20 de Kumbakun. Elle avait $20. Ayota. Elle a pris l'argent. Elle n'avait rien d'autre.
Voilà Bangila. À la maison ou à la banque. Elle n'avait rien. Ayo 20 dollars. Elle a pris ses 20 dollars. Elle est rentrée dans la voiture. Elle est partie. Elle est allée là-bas à ce lieu de. Elle a douté en cours de route. Est-ce que tu es censé ça? Est-ce que je vais pas acheter de l'essence? Si je n'achète pas de carburant. L'essence que j'ai, est-ce que ça va m'amener là-bas ou même si ça m'amène, est-ce que je peux retourner? Elle est restée dans les doutes. Elle a continué à partir. Elle est allée dans cette campagne d'évangélisation. Quand elle arrive, elle est rentrée, elle s'est assise. Et celui qui prêchait l'évangéliste n'était pas encore arrivé. Quand il est en train de préparer son message, Dieu lui a dit aujourd'hui, la semence sacrificielle, tu vas prêcher sur ça. Ibena wajulike enili. Danishi sarakalama. Sarakalama. Danishi sarakalama. Ibena wajuloko oka. Jakuku. Mantiki. Seigneur. Mokounana. Panabula. Tu ne me dis rien, tu parles de offrande sacrificielle. Dieu lui fait comme je te le dis. Le Seigneur, il a parlé encore à son serviteur. Il dit pourquoi je te dis ça. Je vais glorifier mon nom aujourd'hui. Voici. Une femme arrive. Elle va mettre en place sans bras, sans jambes. 20 dollars drone bako. Elle a que 20 dollars. Aka mobli couleur flani. Voici la couleur Mousso de sa voiture. Voici comment est la Mousso femme. Muso trajet au trajet qui a terminé dugu la ya befo akabara de. Tout le trajet que la femme a dépassé, il a tout dit Ako à son serviteur. Il a dit que elle est assise là-bas. Tara. Quand elle, il sort. Et plutôt ni ibora. Quand tu sors. Ikanga mingeme no fie. C'est que tu dois faire. Pasteur yela fiera si ça. Ah, le pasteur était très heureux. On a parlé de miracles. Il est parti rapidement. Il a dit aujourd'hui. Nous allons parler de semences sacrificielles. Le Seigneur nous a dit de parler de semences sacrificielles. Il a dit il y a une femme ici. Tu as eu un fils sans bras, sans jambes. C'est fait dans cet hôpital-là. Tu as résolu de venir aujourd'hui parce que tu as entendu la nouvelle. Et voici la deuxième vie qui s'est passée. Il a raconté tout le trajet. Il a dit tu es ici dans la foi. L'argent que tu as, c'est 20 dollars seulement. Tu n'as rien à la maison, tu n'as rien à la banque. Tu veux que tu fasses la semence sacrificielle. Automatiquement, la femme a su qu'il s'agit d'elle. Elle a sorti les 20 dollars. Elle a 20 dollars blancs. Et elle a placé les 20 dollars devant. Elle a dit. Avec son enfant, le serviteur de Dieu, il a soulevé l'enfant sans bras et sans jambes. Il a dit à cause de ta semence, voici le Seigneur dit ainsi, cet enfant va marcher. Il va vivre. Amen. C'est pas de l'histoire. J'ai oublié son nom. Si c'est pas Robert Oral, c'est Robert Oral. C'était un homme de Dieu. Puis, voilà, Allah m'a utilisé. C'était un prophète aussi. Les jambes. Et les bras de l'enfant ont poussé miraculeusement. Et les semences, ce n'est pas seulement automatiquement de gagner de l'argent, tu peux avoir la santé. Tu peux recevoir un miracle. Il y a un Dieu qui est bloqué, Dieu peut l'ouvrir. C'est pourquoi quand je dis si nous n'avons pas compris beaucoup de choses dans les choses spirituelles, il ne faut pas critiquer. Ce que tu n'as pas compris, il ne faut pas critiquer et ne dis pas que ce n'est pas vrai, que Dieu ne peut pas le faire. La semence peut provoquer ces miracles-là. Le gars, il n'a même pas prié pour l'enfant. À quoi? Parce que Yéninke, tu as obéi. Il y a semence dit à la côte en chocolat. Il m'a dit que seulement à cause de la semence sacrificielle,
Dieu a fait oh ce miracle. La bénédiction d'Abraham est en train de se poser sur quelqu'un ce matin. Lève-toi sur tes jambes. Le Seigneur veut élever ses enfants. Il veut poser sur eux la bénédiction d'Abraham. La bénédiction qui procure la paix. La bénédiction qui procure la paix. La bénédiction qui donne la paix. Voici la bénédiction de Dieu. Il y a la guérison de Dieu. La bénédiction de Dieu. La il y a le repos de l'âme de Dieu. La richesse de Dieu. Il y a la guérison. Il y a le repos de l'âme. Il y a la paix. Hein? Voici. Dieu a prospéré quelqu'un par la santé et ne tombe jamais malade. Alléluia. Alléluia. C'est pas notre verset. Les versets d'ouverture nous disent ça. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tout égard et sois en bonne. Sois en bonne. Sois béni, mon frère. Mais sois en bonne santé. La bonne santé fait partie de la prospérité aussi. Une santé parfaite. Une prospérité là. Et c'est dans la prospérité. Il y a le repos de l'âme dans la prospérité. Quelqu'un qui est prospère. Mugomi et Jidilendo. Allez la fia. Oui, Mugomi à la fia. Allez nos sebaya ou bête qui sont croyants. C'est quelqu'un de rien. Qui repose sous l'ombre du Dieu très haut, du Dieu tout puissant. Il est à l'abri de toute inquiétude. À Dugolendo et Jironanko Ben. Il est à l'abri de la peur. Anisirante à Kamfana. Allah va Jidi. Dieu le fait prospérer. Et il renforce ses parents. Je vais Allah, pas prier. Dieu, la bénédiction que tu as prévue pour moi, c'est que je n'étais pas encore rentré dedans. Voici, je suis prêt à rentrer dedans aujourd'hui. Et est-ce que c'est la bonne santé, la prospérité de la santé? Est-ce que c'est la prospérité de gain? Est-ce que c'est la prospérité d'onction? Seigneur, n'est pas fait. Je vais recevoir aujourd'hui. Pas fait qu'à son nom. Quand il y a un problème, c'est problèmes. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Comment Allah fait? Et ni Allah ya blé kuna eka dani ndoke bi fais-le aussi. Si Dieu t'a mis dans le cœur de s'aimer à Kebi. Ni Allah ya blé kuna iko muso. Comme si Dieu t'a mis dans ton cœur comme la femme là, de venir s'aimer pour qu'il t'ouvre une porte, pour qu'il guérit quelque chose dans ta famille, pour t'ouvrir les yeux. Dieu travaille par beaucoup de manières. Dieu marche et travaille avec beaucoup de soyons obéissants. La prospérité de Dieu est là. Et ça te localise maintenant. Avec il y a voyé 600. Oh Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Fini fait on fait combien cana notre jidili fini on finit on fera kaboy cana sisa. Choya fini on fera kaboy cana sisa. Mangoya fini fera kaboy cana. Bana fini fera kaboy cana. Eke masia takaba. Jesus. L'amen. 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 On va prier ensemble encore. Fini fin fin kumbi kana note jidili fini. Ibeno fini faraka boy kana. Est-ce qu'il veut gaffe? Bana te jidili fini. Bana fini. O be dou kanaya o te prosperite fini alaka prosperite o te o fini mangoya be dou kanaya chitana ka mangoya ka mangoya ki boroduman ko so kote me chitana ka mangoya blaleika o fini te jidili fini ni jidili fini bila alabi ko jahal wala mago iko bija mago yo were se kote fona dambora mago jukula. Hallelujah. Katoko katese
ote prospérité fini ni prospérité fini doni la ko be magaya abeke na fo ni tulu kai ka shenin ka be magaya chugumi ko fana be magaya o chocolate yi ka nyana mayala hallelujah ala itanga la se adamama ako inyeda woshi bara fin bara gelen de la ibena ibalo soro me ala ko ale ba kanu ba ma ko ye foundu ma ko tos no bola o tay ra ki kanana barake mais ben na barake tu n'as pas besoin de travailler dur jusqu'à te tuer pour avoir quelque chose il m'a goûté ka fo ki yere faka mais ala ben na daw yele yi bara daw abena ale avec facilité wa ibena soro le keni no ya fana yi hallelujah afoma tri yesu biso madaina fini yo fini mene kana note jidili fini le bon fini fara ka bon kana sisa le be bana fini fara ka bon kana sisa jidibali ya fini le bon fini fara ka bon kana dese fini le bon fini fara ka bon kana sege fini le bon fini fara ka bon kana fantaya fini le bon fini fara ka bon kana mangoya fini le bon fini fara ka bon kana échec fini le bon fini fara ka bon kana sisa Christ Yesu to wala prie avec violence rentre dans ta bénédiction aujourd'hui rentre dans ton héritage aujourd'hui bana fini boya iga gwa kono Ye Abraham a bonzoi. Ye chieta dei. Ikanga chidi, ikanga korota. Que toi-même tu regardes comment les vêtements se déchirent de dessus toi. Fini ou fera toi fleur kaboy. Voici les vêtements en train de déchirer de dessus. Satan qui est fini de mourir. Satan avait habillé beaucoup de personnes. Fini ou fera toi fleur kaboy matika sebaya. Voici les vêtements sont en train d'être déchirés par la puissance du Seigneur. Regarde, regarde, ça se passe maintenant. Afflé avec Akessisa. Afflé Akessisa Yere. Ça se passe maintenant. Afflé Akessisa Yere. Ça se passe maintenant. Bana fini fara ton flek abotou la. Voici les vêtements de maladie se déchirent de certains. Mangoya fini fara ton flek abotou la. Et des vêtements de non sympathiques, antipathiques sont en train d'être déchirés de certaines personnes. Tanya balia fini fara ton flek abotou la. Les marques de prospérité, ce vêtement est en train de se déchirer de certaines personnes. Dans ta vie, il y avait une limite placée par Satan, mais ce vêtement est en train de se déchirer. Ça commence maintenant. Avec Adam et Nessissa. Ça commence maintenant. Avec Adam et Nessissa. Nina matiki fleka fini fara kabuya. Spirituellement, le Seigneur, voici, il déchire le vêtement de dessus toi. Tu n'es aucun fini. Le vêtement de démons. Tu as pu d'abord la kabi ou kadoka ou dolota.
Certains étaient enchantés. Depuis tout petit, leur étoile a été volée. Leur vie est devenue la risée des ennemis. Voici le Seigneur ce matin déchire ses vêtements. Le Seigneur déchire ses vêtements ce matin. Il va prospérer, ma sœur. Il va prospérer, mon frère. Prions, le pasteur, prions. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Je suis fini. 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 Je suis fini.
Non, lui il était aveugle. Oui. Ah, mais Saraka.
je suis en train de confondre. Il était aveugle et puis il était mendiant aussi. C'est ça. Non seulement a yefientoya infini, voilà, sarakadeli fana yo fini voilà. Il a enlevé le vêtement de mendicité et il a enlevé le vêtement de cécité aussi. Agera la Yesu là. Il s'est approché de Jésus. Yesu ya nyekanaya. Jésus a guéri. Amaka sarakadeli la etukuni. Et il n'a plus de mendier. John va faire les gars jaga 1 million. Encore une fois, Sarah Mustafa Jolla. Million temps. Et vous faites ça, c'est million de dollars. J'ai un million de dollars. Je vais faire ça, c'est un million de dollars. Tout fait. Après, je ne sais pas. Quand je suis au Wardi Moro, je vais nous secouer. Peut-être que je suis au Wardi Moro, je vais nous secouer. Je vais nous secouer. Ou bien nous secouer. Je ne sais pas. Si tu es fidèle dans ça, il va t'élever. Ou bien? Oui. Talent d'urbe, c'est qu'à deux manières on fait. Talent flambé, dit deux manières on fait. Talent qu'elle me dit deux manières on fait. J'ai pris que la faveur divine de Dieu te localise à partir de maintenant. Mais il y a est-ce qu'il y a un peu de matériel à voir? Est-ce que tu as tout ton cœur avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a un matériel vénéré? Il y a une révérence que aïe, il y a un bon bête à maïko Ibrahim à voir. Est-ce que tu vas vénérer le Seigneur comme Abraham l'a fait? J'ai entendu le témoignage de quelqu'un. Armel ou gradera ka ke colonelo ni ministre ye me église konnala olu de be yala ka siki jaka mine ka yala yala tellement que ça dire ou ye ponya di alama. Dans l'armée ils sont des colonels, des généraux, des ministres, mais à l'église c'est eux qui portent les paniers. Ministre ka wuli église konoka siki mine ka yala yala tellement que aya doko ministre ya inte kobay ala de kobay ni ala mo ministre jidi abina chon jidi. Ministre, voilà, pas ce rebecca doka seria bo Allah ou korota kouke ministre yemo be eglise nyekanko. C'est avec des genres de personnes que Dieu se glorifie. Pourquoi nous ne sommes pas comment amadjiginente? Et Dieu peut placer ses genres dans la personne à n'importe quelle position et il ne sera jamais déshonoré. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'adore. Abraham Akaduba Kada Auka. Que la bénédiction d'Abraham se repose sur vous. Vous qui n'avez pas de travail, que vous commencez à travailler cette semaine. Et de Jésus Nazareth. Qui vous fera prospérer au nom de Jésus-Christ. Au konawalsa au na bolofon baga kema tiki tai ali matiki kau jidi ka bo duba dola ka se duba dola krisa yesu ama sia tola afle. On va faire un geste symbolique et fini bi kana iba boy kana chokomina fini no boy kana ta l'habit de l'ancienne villa hot aida iraga klegita da. C'est un geste symbolique. Fini le boy canaban. Aboto y canafone ni fini imbobi. Aïe, canafone ni fini, fini ce goût. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Parle. Alléluia. Reviens maintenant à notre habit. Fini wara boy canasisa. Fini jume. Je ne sais pas. Mais je sais que tu l'as réussi. Attends-toi à Dieu, Dieu va te prospérer. Alléluia. Ici, c'est ça, Matin, Kadoubala. C'est pour vous. Allah Kadoubaya ou de taille, Moro, et ta terre. Si Kenema Moro, ta terre, ou de ta doua, Mouria, de oui. Mais à Koufana et Koundoye. Et je crois que tu as compris les 7 principes. Nidoba fait qu'à tout bi, qu'à ce qu'on a Moro doye. Si quelqu'un veut se convertir et devenir membre de la famille, ça c'est le plus important que la personne vienne. Si quelqu'un veut se convertir, croire en Jésus, être un héritier de toutes ces choses-là, que cette personne vienne devant. La prospérité commence d'abord en Jésus-Christ.
Jidili be damina Yesu de la folon. Jidili fion feme Yesu ta kofe ote jidili sebe la maye. En dehors de Jésus, t'amènera des problèmes après. Qui veut se convertir? Chrétien. Devenir chrétien. Donner sa vie à Jésus. Jésus qui sauve. Il ne te fait pas prospérer seulement, mais il sauve ton âme de l'enfer. Que cette personne lève la main et vienne devant. Ne t'inquiète pas, tu as enlevé le vêtement de la maladie. Santé restaurée. Et Dieu a restauré ta santé. C'est pas qu'il y a bana, il y a kanaya bichini, il y a bana, mais quand tu kanaya là, c'est sa volonté parfaite. Que tu demeures tout le temps dans la bonne santé. Mais tu m'as fait qu'à tout biche. Qui veut se convertir? Au béco. Après tout cela, que cette personne vienne devant. Tu m'as fait qu'à tout biche. Qui veut se convertir? Quel chrétien? Devenir chrétien. Et pour le corota. Lève la main. Il veut sans faire. Si tu es en voilà, haut ou si tu es en bas, na nyefe, si ça. Viens devant maintenant. Ça, c'est très important quand tu es à toi, Père. Ninde kuna fama baye plus que tous les autres. Yesu la, itena kisi. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Itena arjene soro. Tu n'auras pas le paradis. Abe mounye mwoye ka tiens fembe soro ka bone inina. À quoi ça sert à l'homme de gagner tout dans ce monde et de perdre son âme? Ola yani kana bone inina. Pour ne pas perdre son âme. Si tu veux te convertir, lève-toi et viens devant. Et on va prier avec toi. Voilà. Et tu deviendras membre de la famille de Jésus. Voilà, on vous attend. Ce n'est pas forcé. Qui veut se convertir et donner sa vie à Jésus? Sans honte, parce que je suis malade. Kana maloya kana siga siga ni maloya ra le mabi iji jaye fana kana sada Yesu fana me songa maloya ine hallelujah kana siga chama mba foko wala abei kele na bekni kele ala me so apma to akato kele na c'est-à-dire wala et à la commune, elle est là pour m'attaquer. Elle est là pour te chaya quoi. Abatte qu'elle est. Chaya l'igné parce que chaman a nissé no aire et la minte a doy. Ode a tout à chaya rabi. Tine chaya rabi. Non te ala koukoni ou y kele ou y esukoi. Donc, ni pas fait qu'à y sendo la. Wuli ikana nyefe. On koni en sego ke. En yala kakuma di. Voilà, abe de masan. Kaïdu sukum magaya ka danaya ke. Wala kaidu sukun geleya kololo mimbo kofe uka isro. Matika duba na kanema kato aupe kele kele nafe. Alisa ni doba feka kanyina mayadi Yesu ma tambi wakati be. Kana malo ya kafeko kofe ko paser ani paser be nyoko ino. Batoli banen kofe ani mwashite nyoko intukuni intubili kula. Abebe nyina boya. Ani mima nyina boya. Uyobani. Matika duba auye. Akanema kato aufe. Et tu dis l'engato Jésus-Christ à ma tête qui te parle.